Vous êtes venu voir Trèves? Oui, bien sûr. Elle a vraiment le physique des poules. Elle est d'une belle profondeur, elle est en superbe état, elle paraît très prête. C'est intéressant de voir sur le champ de course ce qu'elle va nous montrer à nouveau. Oui, on a toujours l'impression qu'on en a un petit bout qui nous appartient quand on les a élevés comme ça. Vous qui l'avez vu naître? Oui, moi qui l'ai vu naître, qui l'ai vu grandir. Puis vu toutes ses premières courses, c'est très sympa. Non, c'est des très bons moments, il n'y a pas de problème. De l'arc à ici et du chemin quand même, vous l'avez trouvé comment le chemin? Changé un peu, je ne l'avais pas vu du tout depuis l'arc, je n'étais pas passé la voir. Je trouve qu'elle a grandi un petit peu, forci un peu dans son épaule. Mais voilà, je la trouve toujours pareil, c'est toujours un peu mon bébé finalement. Le match, pour moi il y a du sport là, il y a un beau match. C'est très bien d'affronter Trèves. Bon maintenant, le meilleur, lui il prend quand même 8 ans. Maintenant le terrain pour lui. S'il part de... Plutôt, je le verrais, moi, agressif un petit peu plus que... Voilà. Maintenant, les dés sont faits, puis voilà. I'm not very relaxed. These are very important, they're huge races. Maybe she'll only have 4 races this year, possibly. So every race is absolutely key, really, really important. So, it's a nerve-wracking time, but fingers crossed, she seems in really good shape. She's worked very well coming into this, and the important thing is everyone around her, who see her every day, Criquette and her team, are very happy with her. Criquette, la dernière fois qu'on était là, c'était il y a quelques mois pour l'arc. Oui. Ça va, tout va bien? Oui, très bien, très bien. Vous êtes sereine? Oui, moi je suis toujours très sereine, vous savez. D'abord parce que je ne pense pas qu'on puisse changer quoi que ce soit. Changer quoi que ce soit. Je pense que j'ai 2 très bons jockeys qui savent ce qu'ils doivent faire. Et puis voilà. Allez, on y va. C'est parti. Attention, on va s'élancer. Le Prix Canet, c'est le premier groupe de plat de la saison avec un plateau magnifique, la rentrée de l'invaincue de la championne Trèves, elle qui s'est imposée en octobre dernier dans le Qatar Prix d'Arc de Triomphe. On fait son leader, Beth de Crécy, qui s'empare tout de suite des commandes avec Cyrus Desaigues, qui est attaqué maintenant par Trèves. Je suis la Prix qui reste en suspension. Le duel annoncé qui a bien lieu avec Cyrus Desaigues. Allez, Pas du tout. Ça va le cœur ou pas? Heureusement que j'ai arrêté de fumer, sinon je serais morte. Alors là, vous avez kiffé ou pas? C'est devenu une vraie merde. Hein? Du beau canard, je vous garantis. C'était magnifique. Quel cheval! Vous avez vu, comme un poulain, je me suis fait la valise. Tiens le mieux. Attention, s'il vous plaît, on recule un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Ah, c'est une lutte qui restera historique. C'était formidable de voir Cyrus Desaigues et Trèves. Les deux chevaux ont un palmarès fabuleux. On a cru que Trèves allait l'emporter, et puis Cyrus Desaigues s'est ressaisi tout à fait à la fin. Vraiment, ça restera dans les mémoires. Merci Président, merci à vous. Bon, c'est extraordinaire de voir des chevaux comme ça, et Cyrus, c'est quelque chose... Il défie toutes les lois, de tout ce qu'on peut... C'est un cheval formidable. C'est inénarrable, on aura eu la chance de le connaître. Vous voyez, il est agressif. Hein. Il brasse une notion de galop des aigles. Hein. Non, très bien, puis une bonne jument. Entre nous, on avait bien le terrain pour nous. Et puis Claire, la course, très bien. C'est vraiment un cheval fantastique. Et c'est ce que je disais, on peut avoir presque l'air prétentieux, mais il est tellement bon et c'est un cheval qui nous montre tout le temps qu'il faut oser, qu'il faut y croire.
faites-moi confiance, je ferai le reste. Christophe aussi, et ils font vraiment la paire, je crois, parce que la course, ils l'ont bien gagnée à deux. Christophe, bravo. Merci. Ça, c'est quelque chose. Le sourire n'a pas quitté votre visage depuis tout à l'heure. Non, bah écoutez, déjà avant la course, j'étais super confiant avec le cheval. Maintenant, c'est clair que Trèves, on ne se dit pas avant le coup qu'on va vraiment la battre. On se dit, j'espère qu'elle va manquer d'une course. On espère que le terrain, ça va jouer un peu contre elle, parce que moi, j'étais sûr que mon cheval était au top. Surtout quand je suis parti au Canter, que je l'ai vu dans un état éblouissant comme ça. Et pour finir, on a vu un cheval voilà, hors norme qui était super courageux. Et voilà, quoi, il n'y a pas grand-chose à l'arrivée, mais c'était une lutte de phénomène et vraiment, je me suis régalé. Bernard, je ne suis pas sûr qu'il avait besoin d'être boosté, mais là, j'ai l'impression qu'il est boosté pour 4 ans, Christophe. Là, on est bien pendant quelques années et qu'on le garde comme ça. Et c'est un plaisir de l'avoir au top comme ça dans ces grands événements avec une lutte extraordinaire. Rarement, on a vu une lutte pareille aussi longue et indécise, en plus, jusqu'à 30 mètres du poteau. Beaucoup de fierté, très heureuse. Je me demande quand est-ce qu'il s'arrêtera un jour. Jamais. Je pense, hein, je crois. Il est éternel ce cheval. On est toujours triste d'être battu et Cheikh Johan tenait tellement à la garder invaincue que c'est lui qui doit être plus triste que moi. Mais moi je peux analyser très bien sa défaite aujourd'hui. Le Cyrus des Aigles avait 2 courses. Mm-hmm. Moi je fais ma rentrée aujourd'hui. Mm-hmm. Il a beaucoup plu, le terrain est très collant et Cyrus des Aigles adore ça. Et c'est tout, il n'y a que ça. On n'a pas d'excuses, on a eu une course en or. Même si mon leader est parti, a été très vite devant, la course s'est très bien passée. La jument, elle a fait sa course. Puis elle est tombée sur un cheval qui est plus près qu'elle, c'est tout. Donc et on va se rendez-vous, retrouver, alors. Mais voilà. Bien sûr. L'année est longue et on va se retrouver. Et moi, dans un bon terrain, elle pourra placer sa pointe qu'elle peut placer. Voilà. Merci beaucoup. Merci.